Salut, c'est Keliana et on continue sur le DLC d'Assassin's Creed Origins. Donc la dernière fois, Taïra était morte et on avait retrouvé Aya. Donc là, il faut aller assassiner Rufio, qui est sur le bateau. Donc il y a plein de Romains. Nouvelle région découverte, la mer Rouge. Donc on va essayer de pas se faire remarquer. Bah, c'est un peu raté. Et hop, on disparaît. Ego stand up tibi dolor. Voilà. Est-ce que je peux l'avoir, lui?
Mais non, saute pas. Je suis pas. Hop. On va attendre qu'il se calme. Ah, j'ai plus de flèches. Tiens, ça c'est plus pratique. Tiens, cadeau. Alors, où sont les autres? Ils sont là. Coucou, je suis là. Donne-moi ta force. Ah, du graphique, super. Alors, lui, on l'avait laissé là. Confirmer la mort.
Pourquoi as-tu ruiné mes plans? Ceux qu'on ne voit pas ne laisseront jamais l'ordre des anciens prendre son envol. Alors, c'est vrai. Ceux qu'on ne voit pas existent. Et ils grandissent. C'est étrange. Vous voulez les mêmes choses que nous. La paix. L'ordre. Et pourtant, nos idées survivront. Tu peux me tuer. Nous ne disparaîtrons pas. César a bâti un ordre puissant, avant d'être lâchement poignardé dans le dos par la main traîtresse de ta femme. Notre pouvoir grandit dans l'ombre. Dans l'ombre que nous, nous avons créé. Que ce qu'on ne voit pas tenter. Nubis t'attend. Rufio est mort. Je dois l'annoncer à Amunet. Elle s'en réjouira. Oui, excusez-moi, c'est ma PlayStation qui a fait tout et n'importe quoi. Voilà, avec la mort de Rufio, Gamilat est enfin en mesure de diriger le Sinaï. La paix jusqu'à ce que les Romains envoient un autre général. Et sans fin. Nous devons faire de notre confrérie un socle aussi solide que l'ordre. Nous avons un souci plus urgent. Gamilat. Les gens le considèrent comme un dieu. Chacun de ses actes est glorifié. Il lutte pour la liberté de son peuple. Nous avons été témoins d'un massacre. J'ai discuté avec les villageois. C'était loin d'être le premier. Chaque fois, Gamilat avait envoyé ses rebelles provoquer les Romains. Les rebelles se cachent parmi les villageois, incitant les Romains à s'en prendre aux plus vulnérables. Beaucoup de villageois ont été massacrés. Il le fait en connaissance de cause. Cette tactique porte ses fruits. Elle crée des martyrs pour la cause et incite les familles à se venger des Romains. Gamilat provoque des massacres pour recruter plus de rebelles. Il l'a fait à de nombreuses reprises. Sa rébellion s'étend, oui, mais à quel prix? C'est mon ami. Rappelle-toi que Cléopâtre a longtemps été la mienne. Je lui avais accordé ma confiance. C'est toi qui m'a ouvert les yeux. Il faut que je lui parle. Alors, déjà, on va prendre un vrai cheval. Il dirigerait cette rébellion par soif du pouvoir. Je ne crois pas. Je pense qu'il tient tellement au succès de la rébellion qu'il se moque de tout le reste. Il voit tous ses villageois comme des martyrs, sans même réaliser qu'il ne leur laisse pas le choix.
Sa tactique a eu du succès. Il n'hésitera pas à l'employer de nouveau quand les Romains enverront un autre général. Qui s'énerve pour rien. Parle-moi de ta vie à Rome. C'est un endroit merveilleux, plein d'intrigues, de ruses et de corruption. La ville idéale pour des gens comme nous. Ah, je croyais que tu allais me parler du vin. Oh, le vin est très bon. Tu devrais venir un jour. Nous y goûterons ensemble. J'en serais ravi. Nous approchons. Il sera entouré de ces rebelles. Ah, il le voit comme un dieu. Nous ne pourrons pas le défier devant eux. Maintenant que Rufio est tombé, c'est au tour de Rome. Hey, t'as perdu la tête ? Gloire à ceux qu'on ne voit pas, ils nous ont libérés de la domination romaine. Alors ? Tu es un peu jeune, non ? Allez, viens, joue au soldat, rigole un peu. Gloire à ceux qu'on aucune envie ne voit pas, ils nous ont D'accord. libérés tu de très la sérieux. Domination. Pourquoi es-tu là, alors ? Neb, où est ton chef ? Gamilat, il chasse près de l'oasis. Pour honorer mon père, les Romains l'ont tué. Rufio, se débat. Allez, Gamilat. Reste ici. Tiens les rebelles à distance. Je compte sur toi. Allez, allons parler à Gamilat. Bon, il est là, qu'est-ce qu'il y a autour ? Bayek. Qu'est-ce que ça veut dire ? Gamilla, tu as provoqué des massacres. Beaucoup de villageois innocents sont morts. Je n'ai fait que révéler la cruauté de ces chiens romains. Ces martyrs ont amené tant de guerriers à prendre les armes. Des martyrs ? Que représente la vie de quelques villageois face à la liberté de tous ? La vie de quelques villageois ? Tu oublies qu'ils n'ont pas eu le choix. Bayek, ne sois pas obtus ! Nous combattons tous pour la même cause. Non. Ici. Nous sommes face à face. Si tu y tiens. Ouais, baston. Tu seras le martyr suprême. C'est te battre, Bayek. Mais mon bouclier est le plus résistant de tout le Sinaï. Voilà là. Mort, il met le feu, ce mec. Ah non, il y a triche, là. Personne,
Monte, vite. Mais monte. Donc toi. Bon. Sache que je n'en tire aucun plaisir. Mais non, mais... Ce bouclier dévira tout écho. Oh putain. Mais c'est quoi ce mec? Je te tiens à ma merci. Surtout pas me battre. Sans moi, cette rébellion n'existe pas. Elle te survivra. Finissons-en une fois pour toutes. Tu brûles au nom de notre... Monsieur, il triche. Monsieur, il a une arme en feu. Moi. Putain. Mais non! Prends ton arc, abruti! Tu n'as pas su protéger ton peuple, Bayek! Tes actions m'ont obscurci! Ça y est! Il y a la liberté d'un côté, et de l'autre, il y a la vie des innocents. Les deux doivent peser dans la balance. Désormais, c'est mon cœur qui reposera sur celle d'Anubis. Cette cause, Gamilat, l'a fait battre beaucoup trop fort. L'innocent mérite toujours protection. Bayek, je me suis laissé aveugler. Par mon ardeur. Tu as bien agi, mon ami. J'accepte cette mort. À compter de ce jour, aucun de ceux qu'on ne voit pas ne frappera un innocent. Que ceci soit écrit. Puisses-tu trouver la paix dans la droite. Et puisse ce qu'on ne voit pas perdurer jusqu'à la fin des temps. Ça, ça ferait un beau fond d'écran. Hein. Le plus grand des chefs, Gamilat, a péri. Mais son histoire survit parmi les guerriers du Sinaï. Il pouvait tuer 1000 tyrans d'un souffle.
d'une flèche divine. Le grand Gamilat n'est plus. Faut-il les priver de leurs rêves ? Ils gardent leur héros. Pour nous, l'essentiel est qu'ils oublient ceux qu'on ne voit pas. La mort de Gamilat sert une cause plus grande. La fin de massacres insensés. Avons-nous bien agi ? Nous avons le devoir de transmettre nos préceptes à ceux qui ont prêté serment, afin qu'ils aient un vrai credo à étudier. Ceux qu'on ne voit pas se rendront à Petra, et plus loin en Judée, et plus loin encore. Le credo doit survivre à chacun d'entre nous. Personne n'aura de primauté sur le groupe. À mon retour à Rome, je ne parlerai pas de héros, mais de discipline et de persévérance. Amunet est un mentor de cette confrérie. Notre volonté est sans faille. Et nos lames sont implacables. Bien agi.